Salut les gens, petite vidéo assez rapide aujourd'hui. J'ai causé deux choses très rapidement. La première, c'est un truc que je fais jamais. Je demande jamais à la fin de mes vidéos de vous abonner, de liker, de partager tout ça parce que bon, chacun fait ce qu'il veut et voilà, je fais de la vidéo pour me faire plaisir. C'est pas une fin du tout en soi. Qu'il y ait des vues, pas de vues, c'est pas dramatique. Par contre, j'aurais voulu faire des lives parce qu'actuellement, on est un petit peu bloqué chez soi, hein, pour la plupart d'entre nous. Et moi, étant tatoueur, ben, j'ai pas le droit d'exercer. Donc là, ça fait déjà une semaine de vacances. Je pourrais pas dire ça, hein. Enfin, ça fait une semaine que je peux pas œuvrer. Bon, ben, c'est tout, hein, on va s'en arranger. C'est comme ça, hein, c'est pas. Je préfère ça que filer cette merde à des gens. Proche quoi, tout simplement. Donc on va rester confiné, son petit cul bien au chaud, et puis on va peindre des bonhommes. On va continuer de travailler pour ses clients en termes de dessin, mais on va pas tatouer tout de suite. Bon, ça prendra le temps que ça prendra. Ça, c'est pas grave, c'est comme ça, et puis c'est tout. Du coup, si j'arrive à 1000 abonnés sur cette petite chaîne, je pourrais faire des live peintures via YouTube. Ce que je préférerais faire. Actuellement, j'en ai fait quelques-uns la semaine dernière via Facebook, mais c'est pas ultra ergonomique et j'aurais bien tenté de les faire sur YouTube. Mais il faut 1000 abonnés pour la chaîne. Donc, si jamais vous connaissez des gens, vous les attachez, vous leur piratez leur compte et vous abonnez à la chaîne de Pouce de Plomb. Moi, ouais, ça, il m'en manque, je sais pas, peut-être 50 à tout péter. J'ai pas regardé, hein, parce que je fais pas très attention à tout ça. Et c'est un pote qui m'a dit que j'étais vraiment pas loin de pouvoir le faire. Bon. Ça, c'était la première chose. Si vous pouvez faire en sorte de m'aider, j'en serais ravi. Sinon, c'est pas très grave, ça m'empêchera pas de dormir. Mais quand même, ça pourrait être sympathique. Je vous montre rapidement ce que j'ai peint cette dernière semaine, la semaine dernière. Donc j'ai peint, en sachant que je fais plutôt des lives le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Voilà, les autres jours, je ne peux pas. J'ai mon gamin, j'ai pas le temps. Et puis ces 4 jours-là, c'est quelque chose qui est gérable pour moi. Sachant que je ne le ferai pas tous les jours non plus. Hein. Alors, j'ai peint ces deux petits canons. Ta-da-dam-da-dam. Voilà. Alors c'est de la peinture fausse fluorescente, c'est-à-dire qu'à la lumière UV, ça brille. Je ne l'ai pas sur moi, évidemment, parce que j'ai rien anticipé comme d'habitude. Mais c'est de toute beauté. Et donc j'ai peint mon petit creuset. C'est des fils que j'ai depuis une éternité. Hein. Et la cloche. Voilà. Je pense que je vais faire des tutos prochainement sur les socles. Si on me l'a demandé. J'ai un abonné qui m'a demandé ça. Donc je pense que je vais lui préparer ça. C'est tout bête, il y en a pour 5 minutes, mais ça permettra de le faire. J'ai plein de scaven à peindre, à monter, à convertir. Donc ça, c'est des choses que je peux faire. Mais j'ai aussi beaucoup de figues. Donc si vous voulez des tutos peinture en particulier, je veux dire, j'ai de la Descartes, j'ai du Space Marine. Je peux peindre du Space Marine d'une couleur que vous voulez, je m'en fous un peu en fait. Hein. J'ai de la figue, mais je ne joue pas à 40K. Donc si je peins 3 bonhommes, pas de ma faction, ça me fera pas un deuxième trou du cul. Hein. J'ai du Nurgle en. Donc j'ai de la Death Guard. Il doit me rester quelques pox notamment à faire. J'ai un petit peu de. J'ai les Terminators là, ceux avec les faux qui sont magnifiques. J'ai du Necromunda. J'ai des décors. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des ogres. J'ai toute la saison 3 quasiment à peindre de Underworld. D'ailleurs, je pensais m'atteler à cette bande de Nurgle que je trouve vraiment complètement ouf. Mais je pense que ces trois figues-là, en tout cas celle-là, puis ces deux potes, je les peindrai pas à la contraste. Je vais essayer de m'arracher un petit peu et puis de peindre ça de manière un petit peu plus traditionnelle. Peut-être que ce sera l'occasion de faire un tuto sur la peau, un tuto sur ceci, un tuto sur cela. J'en sais rien, je verrai bien. Et puis voilà, donc j'ai beaucoup de choses à peindre, plein d'armées différentes. Voilà, si vous voulez voir un truc en particulier, on pourrait faire ça en live. Ça pourrait être sympa, plutôt que de faire ça tout seul et de parler à sa main gauche, bien que j'ai des tonnes de choses à dire à ma main gauche. Voilà, rien de plus. Si on arrive à 1000, je fais du live sur la chaîne YouTube. Ben, si on ne les atteint pas, ma foi, c'est pas grave. Je continuerai à les faire sur Facebook, mais c'est pas forcément ouf.
Le lien, j'essaierai de le retrouver, de vous le mettre en description, mais sinon vous tapez je pousse de plomb. En deux mots, je crois, c'est je pousse plus loin de plomb, D puis PLOMB. Vous tomberez sur la page. Voilà. Et donc je fais les lives là-dessus. En attendant de mieux ou pas, peu importe. Voilà, j'ai pas grand chose de plus intéressant à dire. Hein. Donc je vais m'arrêter là avant de dire des conneries. J'en ai peut-être déjà dit suffisamment. Et puis, je vous souhaite du bon courage. Et puis, peut-être à très vite en live. Ouais, cool! Ou pas. Allez, bon courage les gens. La bise à terre tous. Allez.